L'homme de Kokabi a un dépensement à délai, il a un cas de glissement. Et que tout ce qu'il fait n'a rien à voir par rapport au respect à la Constitution. Mais il y a un mal nécessaire où ils ont signé l'accord à Saint-Sylvestre, où il y a le 31 décembre. Comme le France encore. Le gouverneur est en Makoti, à l'objet, il y a eu le rôle de Papa Nabana. Parce qu'il avait remarqué que tous les jeunes, tous les âges, ils ont à peu près à Bana. C'est comme ça que tant que tous les jeunes, Abimisi bien mouru à 100 dollars. A Pessi, colonel Elvis, il a remplacé Kanyaman Polo. A 800 dollars à Pessi, il a dit non, ce n'est pas un secret, il n'y a pas de malin. Nous, on a une autre philosophie. À la lutte, on ne reçoit pas de l'argent d'un politique. Tout est mis en sur place. Le gouverneur, tu as un bon ou un athée. En France, encore. Le gouverneur, il a la discrimination. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas faire une différence entre ceux qui habitent de l'est du pays, Goma, Bukavu, ainsi de suite. Ce soit Kinshasa ou bien Kasai. On a remarqué que le gouverneur nous réduisait. Azur réduire parce que ça va tout le monde outil bah côté bah nord qui vous tu es dans une Kinshasa alors qu'un Kinois on a un Kinois c'est quoi à la mougina tongo à ce qu'on y pantalon naie à qui a mes libières à zonginda quoi bini à y aller pongi. C'est comme ça qu'il réduit les Kinois. Donc pas naie les Kinois ne peuvent pas revendiquer un droit. Congo France point com. Bisonabango. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, chers amis internautes fidèles à CongoFrance.com, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. L'actualité bascule et nous en parlons cette semaine ou aujourd'hui avec Victor Tessongo. Alors, il est membre des Lucha, Lucha, c'est mouvement citoyen. Avec l'une des un peu, Makambo O, ils allaient intéresser les Congolais et surtout, Touti Koyoka, arrestation, Toyoka qui plutôt est membre et à Lucha, Toyoka, Eza Nini, exactement. Bonjour. Bonjour, d'accord, journaliste. D'abord, Elo Kalibosso, Roye, arrestation Nabino, ils allaient basé na Nini. Infraction au Bosala qui est là qui n'est pas bas Kangabino. Oui, merci beaucoup. Je sais que ça limite mon colombing et téléspectateurs n'abuso bah mon est songaté. Je crois que tous ont sous surprise pour na essayer un peu d'expliquer. Bon, en fait, par rapport à l'arrestation, tu remarques que depuis le mois de février, que ville Kinshasa comment ça était Makasi. Il y avait de la poubelle. Le gouverneur n'était plus capable de pouvoir évacuer bah immondices et bah nous dégager solo. Et donc c'est comme ça que tu vois qui idée premièrement il y a comme la des gouverneurs qui Kimbuta pour te rencontrer et tout qu'on solo là. Qu'est-ce qu'il faut pour la ville Ezong aningza la Kinshasa. Moi propriété quand même moins d'ambo. Et malheureusement il n'a pas pu nous recevoir. C'est comme ça que ça qui City de Moro Yaliboso le 22 février. Le 22 février, tout ça qui cite Moko, devant hôtel de ville, il y avait des arrestations. Il y avait au moins 7 personnes barricadées bango. Et par après, à Komeli Bisso, pour savoir qu'est-ce que nous voulons. Bisso de répondre pour tout que nous mounaie. Il n'a pas aussi fait ça aussi. C'est comme ça qu'après 3 mois, je pourrais dire même après 3 mois, pour Nato Talé, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain? Le terrain, il a toujours la salité, ça pue, rien de mars de bon à Kinshasa. C'est comme ça, tout ça qui sont mars Moko. Il y a qu'on réclame ville propre. Parce que l'article 53 de la Constitution et Sengi, a qu'on rendre environnement propre, entre autres l'État congolais. Il faut rendre environnement sain. C'est comme ça, Bisso, en tant que Lucha, tu vois qu'il déwane à ça, c'est qu'on marche mon pacifique. Malheureusement, il y a eu la Lucha. Si c'est la Lucha, on arrête facilement le jeune de la Lucha. C'est comme ça, quand on a Bisso, on nous a torturé. Le gouverneur Yemuro Ayaki Kota la Bisso à niveau ya Kacho na Kalfungula, il est venu, il a causé avec nous. Tout selon le gouverneur, mais par après il a donné des injonctions pour ba longola biso ba polo la lutte na makasi. Et yomori ba police na biso qui n'ont même pas une base par rapport ya travail na bango, ils ont fait de la merde. Zokaki, il y a ceux qui ont Bazoaki Bévanu, et ainsi de suite. Donc, l'ongolipso va tenir Lucha par la force. C'est vers 16h, donc quand on est depuis 9h, vers 16h, on est libéré Bisso. Donc voilà un peu, quand tu es en haut, et c'est quelque chose que nous dénonçons vraiment. Par rapport aux droits de l'homme, nous les dénonçons, et que le gouverneur doit répondre. Plainte, moi, que ça contre le gouverneur, déjà, je crois qu'on va déposer devant le procureur déjà la semaine prochaine. Contre le gouverneur, pour une injonction, il y a Pesaki. Colonel numéro 1, il y a Kalufungula, va torturer Bisso pour voir le tenir. Voilà, c'est un peu ça.
En fait, ceux qui collent la macambo, oh yo lobby, vous violez loi T, vous répondez tout simplement à l'article 53 de la Constitution, qu'on interpelle les nani gouverneur et avis les années en opé ma BT d'un côté et surtout botang bousaki lettre. Est-ce que ils allaient qui troubler ordre public, tende bokenaki, est-ce que bon marche d'abord na Congo pezarango, il faut couper sa information au moins na gouverneur que vous organisez marche moko, est-ce que gouverneur a vu les acquis au moins saisi na marche na bino. Des journalistes, nous sommes de un mouvement toujours défendre ba valeur et les respect des valeurs entre autres observer les lois de la République. Mon beko mon konzi constitution et écolo et le bété manifestation, ils ont les droits légitimes pour les citoyens et qu'il y a une procédure à suivre pour manifester. Entre autres, il faut informer à l'autorité. Les lois sont traduites pour l'autorisation. Alors que les autorisations, c'est l'information. Nous avons informé le 21 avril 2017, au plus tard à 14h, nous avons informé à l'autorité. Le gouverneur, tout ça dans la lettre, a acquis des réceptions. Tout déposa qui n'est pas gouverneur, il a acquis des réceptions, c'est tout. Et la loi demande maintenant au gouverneur de pouvoir prendre des mesures pour l'encadrement à Bissot. Voilà, malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, nous, tout, nous faisons de notre méthodique là par rapport à Ndenge Mibekolobeli. Mibekolobeli, nous, on ne fait que respecter cela. Malheureusement, nos autorités font à la contre Oyo Louezo Senga. Voilà pourquoi Bissot n'a qu'à l'autre, en 2016-2017, Oyo. On va désobéir à cette loi wana décision yakimbuta. L'article 28 de la Constitution c'est une désobéissance par rapport à la loi injuste. Y a un biso lutte de l'obéir qui était de désobéir dans mobeko yakimbuta wana que non on ne peut plus manifester, on ne peut plus faire quoi que ce soit. Ils ont les droits mon corps légitimes donc tu retiens les mélanges jusqu'à la fin. Voilà, c'est important. Masolo ni bosolo qui na gouverneur y a ville tangwaye d'abord à comprendre que bino bosa qui na posa pour rendre ville ville est vraiment sainte et solo il y a Kinshasa et Lungwa pour la moni mikolo mi balé mi satu oh bah voiture bah des plutôt bah véhicules ils ont un peu déchargé bah déchets ou bah saleté et comme ça là un peu bah qu'on évacuer quoi les solo ni ni bosolo qui en fait na gouverneur y a ville c'est un grand regret, c'est un grand regret lorsque vous rencontrez une autorité sur un sujet bien donné, mais qui détourne l'intention à sujet wana. Pour lui, Mars Nabis, c'est là qui Mars est insalubrité, c'est là qui Mars Moura au lugar départ en Deko Kabila, il y a président de la République. Donc, il nous a rien parlé par rapport à ville propre à Kinshasa, par rapport à insalubrité. Il est venu à jouer un ventilé, il est venu toujours. Vous êtes des jeunes manipulés, vous êtes des jeunes soutenus par la communauté internationale, vous êtes des jeunes soutenus par Katumbi, soutenus par Pierre Lombi. Alors que la vérité, ce n'est même pas ça. La vérité, ce n'est pas ça. Donc, pour que le jeune aujourd'hui puisse raisonner pour le pays, il faut que Katumba Yassimana, le babo, Neko Victor Tessongo, le babo, Neko Lucha, le babo, ou bien Pierre Lumbia, le babo, ou bien ambassadeur Moko soit de l'Union européenne, ou bien Afrique du Sud, ou bien Niner, le babo, tout ça, nous avons étudié, nous avons appris. Donc, nous sommes là, où yo mibeko lobby. Donc, avec le gouverneur, on n'a rien causé. On a causé du bobard. Il n'y avait rien de spécial que le gouverneur nous a dit. Rien du tout. Si ce n'est qu'inventé par rapport au chef de l'État. Bah, professeur, soit pour le chef de l'État, voilà, le chef de l'État doit demeurer après, par rapport à la transition, machin, truc. Donc, il ne nous a rien dit de spécial. D'ailleurs, tout ça, indigné qui n'a qu'à la salle, on s'est soulevé. Et à Sili qui a bimé à Kéib, c'est comme ça qu'on nous a torturés vers la fin. Donc, il y a un sucré, c'était quoi en fait? Le gouverneur était à côté, à l'objet, il a eu le rôle de papa Nabana. Parce qu'il avait remarqué que tous nous sommes jeunes, tous les âges, moro à peu près à Bana. C'est comme ça que tant que nous sommes naïfs, à bimé si bien moro à 100 dollars. A Pessi, colonel Elvis, hein, il a remplacé Kanyama Nikolo. À 800 dollars à Pessi, il a dit non, ce n'est pas un secret, il n'y a pas de makasi. Nous, on a une autre philosophie. À la lutte, on ne reçoit pas de l'argent d'un politique. Tout est mis sur place. Tout le gouverneur, tout le monde est là. À Siliki. Mais comment moi, je vous donne de l'argent, vous êtes très impoli. Non, le gouverneur, on ne prendra pas votre argent. Ceux qui prennent la maille, on a de l'argent, on va acheter de l'eau. Et on a déjà même pris de l'eau.
Donc, Zaki, corruption, moroté, je pense, c'est pas une corruption, bon, peut-être. Comme tout Kinois, comme toute personne de bonne foi, peut-être à Moni, Nabaita, tout ça, qui est là, à Kansas, vous avez un apôtre à Maï ou bien quoi que ce soit, mais nous, on avait complètement refusé tout le monde. C'était 100 dollars, après ça, il y a un colonel qui a remplacé Ndeko Kanyama. Donc, le numéro 2, il y a la police à Kinshasa, après ça, qui est à 800 dollars, mais nous, on a refusé de prendre ça. Mais à Siligaki, voilà, c'est un peu ça. Et il nous a traité de tout le monde, les impolis, que nous tous on n'a pas de bonnes manières, on ne sait pas respecter un papa. Donc, mais ça, à un moment, il est belé, qu'on ne peut pas les dire devant, téléspectateurs. Ils ont bien été dignes, ils ont bien été. Mais nous avons remarqué que le gouverneur a la discrimination. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas faire une différence entre ceux qui habitent de l'est du pays, Goma, Bukavu, ainsi de suite. Nous vivre, ce soit Kinshasa ou bien Kasai. On a remarqué que le gouverneur nous réduisait. À se réduire, parce que ça va tout le monde, tout le nord qui vous, tout le monde, Kinshasa, alors qu'il y a un Kinois. Pour nous, un Kinois, c'est quoi? À la Mugina Tongo, à Soukoli Pantalon, à qui a Melibière, à Zonginda, à Bini, à Lali Pongi. C'est comme ça qu'il réduit les Kinois. Donc, pas les Kinois ne peuvent pas revendiquer un droit. Ce sont le propos du gouverneur. Donc, c'est là qui est désolant, propos, on a ébélé, c'est vraiment très désolant. Alors, autre chose à présent, parlons maintenant de votre position. Aujourd'hui, nomination, y a, parce que vous avez un mouvement Mopé citoyen, comme politique, puis vous aurez ma décision. Il y a Bino, y a, comme mouvement, y a Bino, Loucha, je rappelle que vous êtes membre à Loucha. Alors, on a Loucha, position à Bino par rapport à nomination. Actuellement, il y a Premier ministre Bruno Tshibala. Position à Bino Zané. Ndeko, nous sommes un mouvement, citoyen. Nous sommes là pour l'éveil de la conscience. Et l'éveil de la conscience qu'on rappelait Banamboka, qu'est-ce qu'un citoyen doit faire vis-à-vis de son État. Les lois de Kokabi, ils ont un dépensement à délai. Ils ont un cas de glissement. Et que tout ce qu'il fait n'a rien à voir par rapport à respect à la Constitution. Mais il y a un mal nécessaire où ils ont signé l'accord où il y a Saint-Sylvestre, où il y a le 31 décembre. Il y a Bandeko Nabiso à 5 ans, où ils sont crédibles. Même si ils voulaient une constitution, mais on a vu quand même qu'on devait aller pour un retour, il y a ordre constitutionnel. Mais malheureusement, avec la mauvaise volonté, il y a politique, moi je prends les deux côtés. Une mauvaise volonté par rapport à l'application et l'accord. Ndeko Tshibala, nous, on n'a rien à voir avec lui. Nous avons juste constaté, nous avons vu. De constater une nomination à E, mais nous, nous focalisons cette année ici par rapport à l'élection. Quel que soit ce qu'ils pourront faire, le peuple congolais veut aller aux élections, tout si l'on a mis ce Kabila au plus tard, décembre 2017. Tous ont un ordre constitutionnel, tous ont une alternance au pouvoir. Il y a un moment où on a néo, il y a un moment où on a dernièrement séni, tout le monde connaît une anga, tout le monde a un calendrier électoral, tout le monde a une élection. Donc nous, ce qui nous préoccupe cette année ici, et ça m'a Tshibalaté, quel que soit un homme Tshibala, nous ça nous importe peu. On a constaté la nomination de Tshibala, mais ce qui nous préoccupe plus allé par rapport à l'élection, tout le monde a une élection, tout le monde a un calendrier électoral. L'élection. Voilà. Maintenant, incertitude des commissions dans ma campagne d'élection. Na Kasai déjà, il faut que l'on affaire à Okamonanta pour battre son plein et du jour au jour, du jour au lendemain plutôt en plein Rezali Koubaksamana affaire et Okamonanta pour Kananga. Et bah, proximité, ça toujours l'insécurité. Mais l'élection aussi, freiné en Okuna pour la mort, il y a chef Moko, il y a chef à bureau, il y a senior, Azala Kikuna. Et aujourd'hui, on dirait une précarité aussi qu'aux élections, selon Corneille Nanga, na année Oyo. Point de vue, Nogokyo Zanin. Oui, Ndeko, je crois que Tokuta Nakoné Nanga, c'était, je crois, Azala qui. Avant-hier, Tokuta Nakoné Nanga. Moi, je n'ai pas mangé les mots, c'est qu'il est trop plaintif. Signer les institutions d'appui à la démocratie, les alliés indépendantes, les alliés doivent prendre des décisions à l'encontre de la pour appliquer pour l'élection, il faut calendrier électoral, il fallait que gouvernement ezala, il fallait CNC ezala bafanda pour trouver calendrier mot consensuel, alors que c'est faux. Bisous la démarche, on a la CNI, c'est un organe indépendant, un organe technique. Lui, son problème, c'est quoi? Bimisa calendrier, soumettre calendrier, c'est le financement. Ce que le financement est, voilà. La CNI a fait au moins son travail, mais malheureusement, le financement est athée. Il y a un autre chose, le bagui, même, il y a un autre chose, il y a une majorité. Ils travaillent ensemble. L'autre, c'est tout à l'heure, il y a une sécurité.
Le pouvoir en place, c'est depuis 2012, bazo monté ba stratégie, comment qu'on retarder ba élection, comment ndeko Kabila ko kende ti au-delà, comment ba royer un référendum, comment ba royer pour ba changer constitution pour ndeko Kabila kende au-delà même ya ba mandat, donc 3 4 5 mandats. Donc nous ça nous étonne pas par rapport à l'insécurité. Ce sont le stratégème que la majorité au pouvoir a organisé pour na ko freiner application accord, pour na ko freiner processus électoral. Parce que le Bakosa, Bakou, il ne faut jamais qu'on organise l'élection sans que toi, il n'y a Kassai. Non, on doit aller avec le Kassai aux élections. Mais le pouvoir, par la naïveté, il y a opposition, il y a opposition, il y a libéreux, il y a le pouvoir est en train de l'air d'hyper. Voilà, eux, au Bakosa, dans le Mais nous, tout ce qui est cap, c'est pour l'organisation des élections. Et nous, nous sommes en train de sensibiliser la population. Et le peuple doit savoir, la seule chose aujourd'hui qui peut faire partie de Kabila, ce sont les élections. Et donc, nous devons tous nous élever, tout le monde pour que l'élection. Quel que soit au signe, pour que l'on soit déjà, on connaît déjà. Mais le peuple, avec l'article 64, il y a soulèvement, je crois qu'on peut déjà répondre à cette question-là. D'accord. Tant que l'on dans ce cas, il y a un entretien à Bissot. Un dernier mot, on a bateau pour Roulandayo. Je rappelle que aux alliés membres et à Loucha, mouvement Moko Citoyen, Victor Tessongo. Donc, au message mon recul, le Banabatonien sur Barolanda. Oui, un seul message que je veux donner à tout le monde dans la diaspora pour bongonde balandara biso pena moi mingi na biso ba otoza na kati ya mboka, surtout la diaspora, c'est des fournis de fort tozonga na mboka na biso. Toi ko bunda na kati ya mboka. Awa guerre wana ya ya internet wana eza esanga ya loro morote, on biso ba tolusi to comprendre déjà. La guerre à l'internet c'est loro morote tozonga na mboka venir tous se soulever biso nyonso, tozwa bokonzi parce que le peuple c'est le souverain. Pouvoir est à peuple. Peuple n'a pas sa pouvoir. Ce que le peuple pouvoir n'a pas, article 64 lobby, peuple faut atteler. Donc, le seul objet au retour, c'est le soulèvement populaire. Et nous travaillons pour ça. Peuple a conscience n'a pas, atteler, a pouvoir n'a pas, mais ce n'est pas mon tour. Voilà le seul mot que nous avons pour le peuple congolais. Donc, je salue vraiment tout le monde, en France, Belgique, Europe, partout, soit dans les États-Unis. Donc, je salue tout le monde vraiment. Merci pour soutien, surtout pour la lucha. Merci pour le soutien. Ce sont eux qui nous appellent, ce sont eux qui nous soutiennent vraiment. Merci beaucoup pour la binoso. Et vraiment, Inch'Allah, je sais que le Congo demain, ça va aller. Et attendant ce pouvoir, les années où on a 2017. Alors, ce n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, chers amis internautes. Restez toujours branchés sur www.congofrance, le meilleur site d'Europe, parce que vous informer, c'est notre devoir et surtout notre inquiétude du train très quotidien. Merci à Mouna, l'artiste, pour la prise de vue. Merci à Hilaire Clac Nyoka pour le montage. On se retrouve trop prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bon, France, point.